Mon but ultime, en fait, c'est que les gens osent. Que les gens osent porter de la couleur, que les gens osent faire ce qu'ils veulent faire vraiment. Que les gens arrêtent de se retenir, qu'ils soient vrais. Tu sais, je t'en ai un peu du faux aussi, du fake. Ouais. Je veux que les gens osent être eux-mêmes. En fait, pour mon parcours, mais quand j'étais jeune, je faisais des bijoux avec des billes, enfilage de billes comme toute bonne joaillère. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait une technique en joaillerie. Fait que je me suis inscrite au DEC en métier d'art au Cégep du Vieux-Montréal. Puis suite à ça, j'avais vraiment le goût de faire un bac. Puis j'avais rencontré mon prof à un moment donné, Christine, dans l'ascenseur de l'école de joaillerie. Puis elle m'avait dit « Mais pourquoi tu vas pas faire un bac en design industriel? » Fait que là, ça m'a titillé parce que moi, j'avais le goût de faire un bac en design graphique. J'aime beaucoup les trucs, les packaging, les trucs graphiques. Puis là, j'ai fait mon bac en design industriel. Puis quand je faisais mon bac au début, j'ai eu de la misère à m'intégrer parce que je pensais tout le temps, tu sais, j'étais en design industriel, puis là, j'avais le côté métier d'art. Puis là, je trouvais que ça fitait pas ensemble. Puis finalement, à un moment donné, j'ai pris un cours en textile. Puis ça m'a vraiment comme donné la passion du textile. Puis je faisais du crochet à côté, puis là j'ai commencé à expérimenter avec le textile. Puis j'avais une collègue qui vendait des trucs vintage, puis elle avait comme un lot de balles de tissu à vendre. Fait que j'ai acheté ce lot-là, puis j'ai commencé à expérimenter le crochet avec ces balles de tissu-là. C'est comme du tissu pour les catalogues, là, du tissu récupéré. Fait que j'ai commencé à faire des colliers avec ce tissu-là. Puis ça m'a donné l'idée de combiner les bijoux avec le tissu, mes deux passions, pour faire des bijoux en textile récupéré. Puis après ça, durant la pandémie, j'avais comme un peu arrêté les bijoux en textile récupéré. Puis durant la pandémie, j'ai comme trouvé des petits fils colorés. Puis j'ai commencé à faire des bijoux plus délicats. C'est drôle parce que je suis passée comme du gros, tu sais, l'échelle plus grosse à plus petit. Fait que j'ai commencé à expérimenter des bijoux en crochet avec un petit fil coloré. Donc, en faisant des bijoux en textile coloré comme ça, je pense ça me permet aussi à moi de pouvoir laisser aller ma créativité puis de faire des trucs vraiment flyés, des bagues que tu imagines pas porter, mais qui est tellement le fun à faire. Puis ce que j'aimais, c'est que c'est une période sombre, la pandémie, puis je voulais mettre plus de couleurs dans le monde. Je trouve que l'environnement, notre environnement quotidien, il manque de couleurs. Puis je veux avec ça aussi que les gens, en portant des couleurs aussi, ils puissent afficher leurs vraies couleurs. T'sais, on est en 2024, l'affirmation de soi, on en parle plus que jamais. Puis des fois, les gens osent pas mettre de la couleur, ils ont peur d'être trop... de trop s'afficher, mais au contraire, moi, je pense que c'est ça qui manque un peu, puis que... qu'on se laisse aller, qu'on libère notre vraie couleur. Bienvenue dans mon atelier. Alors, ici, c'est mon espace de rangement. J'ai besoin de beaucoup de rangement pour tous mes projets. Donc, je mets mes balles de tissu. Des fois, je fais de la couture, fait que j'ai mes machines à coudre. Puis ici, c'est ma table de travail, en fait, que j'alterne dépendamment des projets. Ici, je vous présente les premiers colliers que j'ai faits. En fait, j'utilisais des gros cordons qu'on utilise pour faire des catalogues. Donc, c'est vraiment, ça, c'est des bracelets vraiment massifs. Je trouvais ça le fun, c'est bold, que tu peux en mettre plusieurs aussi. Je faisais des chaînes aussi, des fois. C'est mes tout débuts. En fait, l'évolution, c'est que quand j'avais acheté le lot de cordon, ben, les balles de tissu à mon ami. J'avais commencé à expérimenter avec du fil plus gros comme ça. Puis après, j'ai découvert du petit fil de polyester comme ça. Puis je me suis dit, ah, ça serait vraiment cool si j'essayais de le crocheter. Fait que j'ai commencé à travailler avec ça. Puis j'ai vraiment aimé le résultat. Puis la versatilité avec toutes les couleurs de fil qu'on pouvait avoir, qui est plus accessible aussi. Fait que j'ai commencé à travailler avec ça comme ça. OK. Donc, souvent,
quand, que, par exemple, je fais une paire de boucles d'oreilles ou plus un bijou, je vais commencer par prendre des anneaux que j'ai déjà faits, puis je vais essayer de faire mon mix de couleurs des fois avant de faire la boucle d'oreille. Comme par exemple, cette boucle d'oreille-là, tu sais, j'avais déjà choisi mon mélange de couleurs avant de le faire. Puis après, quand je le fais, j'essaie de faire une harmonie pour pas qu'il y ait tout le temps la même couleur qui se répète. Fait que des fois, c'est ça qui peut être long, la grosseur ou ce que ça tombe, tu sais, pour qu'il y ait quand même un équilibre. Fait que quand j'ai mon mélange de couleurs, là, je commence à crocheter. Quand là, ici, j'avais commencé un... C'est pour un collier, en fait. Fait que là, après ça, je crochète. C'est vraiment un petit crochet, là. Puis, j'essaie de le faire le plus serré possible pour qu'il se tienne mieux. Parce que la forme va être plus intéressante. Toujours, j'ai une bonne tension. Ben en fait, l'année passée, j'ai commencé à faire des œuvres gros format. En fait, c'est que je reprends le même concept de mes anneaux, mais je les ai grossis grandeur X large pour faire des œuvres murales. Puis je te dirais qu'en ce moment, c'est un peu vers là que j'aimerais ça concentrer mon énergie. J'ai comme plein d'idées de faire des grandes œuvres murales que les gens pourraient accrocher chez eux, faire un peu de la sculpture. Qu'est-ce qui m'a poussée d'aller vers la sculpture murale, c'est que j'avais le goût d'explorer les œuvres en plus gros format. Puis un appel de dossier qui s'est présenté, donc ça m'a donné l'opportunité de créer une œuvre pour cette exposition-là. Puis depuis ce temps-là, en ce moment, en fait, j'ai comme plein d'idées. Qu'est-ce que je trouve le fun aussi, c'est que oui, le concept, il peut être fait pour des bijoux portés, mais il peut aussi être fait avec des cordons plus gros pour que les murs les portent. Puis, ce que j'aime beaucoup de ces œuvres murales-là, c'est que oui, je le présente d'une manière, mais les gens peuvent aussi l'interpréter comme ils veulent, puis déplacer les anneaux comme des plus petites œuvres comme ça aussi. Tu sais, tu peux t'amuser à jouer avec. D'ailleurs, c'est sur ça que j'aimerais un peu me concentrer prochainement. C'est à faire des plus petites œuvres un peu versatiles que les gens interprètent à leur manière. Pour ce qui est mes techniques et mes applications, en fait, je crée vraiment tout sur place. Je crée les bijoux au fur et à mesure que je le fais. En fait, je dessine pas le bijou avant, je l'ai juste dans ma tête. Puis ensuite, quand vient le moment de la réalisation, je crochète un anneau. Après, je regarde vraiment l'intégration des couleurs ensemble. Des fois, ça peut arriver que je défais l'anneau, j'en refais un autre parce que je veux vraiment que ça soit harmonieux, les couleurs, comme je l'imagine. Fait que des fois, c'est un processus qui est très long. Puis ce que j'aime aussi du crochet, c'est que c'est une technique que tu peux pas reproduire à la machine. Donc, tu sais que quand quelqu'un fait quelque chose au crochet, c'est entièrement fait à la main. Puis j'aime vraiment ça, pouvoir voir l'œuvre se matérialiser puis réaliser que c'est moi qui l'ai faite. Puis en parallèle à ça, j'ai aussi une pratique que je fais des bijoux en argent. Parce que, comme j'ai un autre atelier chez ma mère dans le sous-sol, en fait, pour ce qui est de l'atelier de joaillerie. Puis je fais tout moi-même, là, comme polir, scier, soudre. Je m'inspire beaucoup de la nature. Souvent, je vais aller marcher dans le bois, puis je vais avoir des idées, je vais avoir des formes, des textures qui vont m'inspirer pour faire une collection de bijoux. Pour ce qui est des techniques et fabrication pour ma collection de bijoux en argent, bien, des fois, c'est des pièces que je vais sculpter dans la cire, qu'après, on va faire un moule pour reproduire. Des fois, c'est des pièces que je vais scier moi-même avec des textures. Puis, je fais vraiment tout moi-même, comme j'ai appris dans ma technique en joaillerie. Donc, du sillage, l'image, le polissage, je fais de la soudure. Puis, même par rapport à ça, je fais aussi toutes les photos pour mon site web. T'sais, j'ai déjà fait affaire avec une photographe pour faire un lookbook pour une collection en textile. Mais sinon, c'est moi qui gère mon site web, je prends toutes mes photos. Pour ce qui est de la différence entre mes deux types d'or, je dirais que mes bijoux en argent, c'est plus une production commerciale parce que je reproduis les bijoux. Puis pour les bijoux en textile, c'est vraiment plus des pièces uniques. Là. Des fois, je crée sur le moment,
juste un bijou flyé, puis je laisse aller ma créativité, puis je peux faire vraiment ce que je veux là, avec les couleurs. C'est vraiment le fun. Tu sais, oui, j'aime ça faire mes bijoux en argent aussi, mais c'est juste deux pratiques vraiment différentes. Puis comme les bijoux en argent, c'est beaucoup inspiré par la nature, comme les textures dans la nature versus en textile, les couleurs qui est plus les liens, puis le funky des gens un peu. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par un organisme qui s'appelle Paradis Urbain. Puis eux, en fait, c'est un organisme qui aide les gens avec des troubles de santé mentale. Donc, ils m'ont demandé si je voulais participer à un défilé de mode avec mes bijoux. Puis j'ai accepté. Pourquoi je voulais participer au défilé de mode, en fait, c'est que c'est leur mission me rejoint beaucoup de pouvoir aider les gens avec la santé mentale. En fait, j'ai des gens dans mon entourage qui vivent des problèmes de santé mentale. Puis je trouvais que je pouvais participer à ma propre manière avec mes bijoux. Puis c'était un défilé caritatif pour ramasser des fonds pour l'organisme. Puis c'était sur le thème du street style. Donc mes bijoux ont défilé dans la section espoir. Donc on voyait mes bijoux défiler sur des modèles. Puis c'était vraiment comme... J'étais vraiment émotive et émue de voir mes bijoux sur des gens comme ça. Puis aussi, c'était tellement un bel événement de voir puis de ressentir aussi pourquoi les gens étaient là. En fait, pourquoi je fais de l'art, c'est que je pourrais pas faire d'art, c'est drôle à dire, mais j'ai comme des idées, puis j'ai besoin de réaliser mes idées. Puis là, comme en ce moment, c'est vraiment comme, tu sais, le textile, la couleur, ça m'inspire beaucoup, puis là, j'ai plein d'idées, mais c'est plus personnel, je te dirais, mais j'aime aussi ce que ça crée par rapport aux gens. Quand ils voient mes œuvres aussi, comment ça les fait réfléchir, puis leurs réflexions qu'ils ont par rapport à ça. Puis, c'est pour ça que les gens soient plus conscients de leur consommation, qu'ils pensent, tu sais, comme, je trouve que quand t'achètes un objet qui a une valeur, qui signifie quelque chose pour toi, tu vas y faire plus attention qu'un truc que t'auras pas nécessairement investi pour, puis que tu vas vouloir jeter. Je trouve aussi que quand on investit dans l'art ou dans des biens plus durables, c'est un truc qu'on peut plus léguer aussi par la suite, puis qu'il y a une histoire à raconter. Donc, j'aimerais ça que les gens soient juste plus conscients de leur consommation, puis qu'ils osent aussi porter la couleur. L'artiste vient un peu remplir la fonction de traducteur
d'émotion, puis de contexte social un peu qu'on est en train de vivre. Puis comment tu peux observer tout ce qui se passe aujourd'hui, puis le traduire en langage plus simple. Pour moi, c'est ça, de la bonne musique, ça me fait vivre quelque chose. Je suis pas indifférent quand j'ai terminé de l'écouter. Si on regarde mon parcours, j'ai commencé tôt, à 11 ans, à l'école. Je pensais que j'allais détester la musique parce qu'on a toutes fait les cours de flûte en troisième année. Puis, ouais, je suis comme, c'est plate de la musique, je veux faire de l'art plastique. Finalement, cours de musique, j'avais la guitare bass. J'ai vraiment aimé. Ma mère m'a acheté une bass après, puis j'ai juste commencé à faire mes propres partitions, des tablatures, que ça s'appelait. Ça a juste continué. On a parti un band, comme tous les adolescents ont eu envie de faire. On a parti un band, puis c'était moi qui composais, puis qui chantais. Quand il arrivait le temps de vendre des billets, ça, c'était l'avantage d'être en band, parce que moi, j'ai toujours vendu 2 billets à ma mère, puis à mon frère. Puis aujourd'hui, c'est comme, OK, fait que c'est ça un peu mon challenge d'aujourd'hui, faut vendre des billets. Fait que ça a juste évolué, puis j'ai joué beaucoup de guitare, puis à un moment donné, il est arrivé un temps où mon frère, il me dit, « Pourquoi tu n'essayes pas de DJ en 2010? » J'ai pris son cue, je me suis dit, hey, « on va essayer. » Ben là, je vous présente mon atelier, parce que je peux pas dire que c'est un studio, c'est pas vraiment un studio, c'est vraiment mon atelier, puis je le vois plus comme un bureau d'écriture, que c'est une pièce excessivement imparfaite parce que c'est un cube parfait. Puis un cube, acoustiquement, c'est un cauchemar. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de faire ma propre sonorisation. Puis aussi, je sais qu'habituellement, on est habitué de voir des studios de musique aujourd'hui que ça a l'air de des voyageurs de Star Trek. Puis j'ai opté contre parce que dans mon besoin d'être un peu plus minimaliste, d'être léger surtout, d'être capable, dans l'optique, de pouvoir traduire entre le studio puis le show live. Fait que, très simple, mais chaque instrument est ici parce que je l'utilise. Si j'arrête d'utiliser quelque chose, je le vends. C'est très rare que je le garde. J'ai beaucoup de connaissances techniques au niveau studio, au niveau équipement. J'ai essayé beaucoup d'équipements, j'ai eu beaucoup de différents équipements. J'ai presque tout vendu. J'ai presque tout vendu, puis je dis pas que c'est ça pour tout le monde. Moi, personnellement, j'aime ça, avoir un espace un peu plus épuré, puis focusser sur un instrument. Aujourd'hui, c'est sûr, faut faire attention parce que c'est facile de penser qu'un morceau d'équipement va vous aider à avoir des meilleures compositions, mais non, c'est les idées, c'est juste des idées. Être inspiré, avoir des idées, puis de jouer, puis de pouvoir traduire une émotion. Puis l'environnement, c'est important. On peut permettre notre environnement de nous inspirer sans nécessairement... C'est pas avec mettre les belles peintures, c'est juste d'être bien dans nos choses, d'être bien avec ce qu'on a. Puis d'être... Surtout de se sentir en sécurité. Si je sens que j'ai mon loyer qui est payé, puis que mes bills tout éclairés, hey, là, pas de problème, je peux aller à fond dans mes idées. Je me sens en sécurité d'explorer. Puis quand que je me sens en sécurité de jouer, d'explorer, même si j'ai pas nécessairement une idée fixe ou une intention fixe, je peux quand même m'asseoir puis commencer à jouer. Puis quand je m'assois puis je commence à jouer, ça arrive que la première 30 minutes, c'est pas bon. Puis quand c'est pas bon, je fais des exercices. OK, je commence à faire des exercices. Puis là, à un moment donné, je vais peut-être trouver quelque chose que ça m'inspire. Mais c'est comme si ça me donne un genre de sentiment. Puis je suis ce filon-là. Puis une fois que je commence à trouver un filon, puis à le développer, puis il commence à prendre forme, l'inspiration se manifeste en une sorte d'excitation. Je deviens très excité de poursuivre, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis dans le fond, je deviens excité par ma propre création, puis ce qui me drive le plus à terminer, c'est de le présenter. J'ai envie de le partager.
Puis plus jeune, je le partageais avec des amis, puis des fois, j'avais pas de retour. « Ah, oh, c'est correct. Hey, j'ai pas le temps. » Ou juste du silence. Puis aujourd'hui, ben, au lieu de le partager avec mes amis, je vais produire mon vidéo, puis je vais mettre ça sur les réseaux. Comme ça, je peux aller un peu rassasier ce besoin-là de partager ma création. Puis ça, les vidéos, je fais tout ça de chez nous. Je me suis monté un petit studio, j'étais allé me chercher de l'équipement vidéo. Ça a pris du temps, ça a pris aussi beaucoup d'essais-erreurs. Mais j'ai commencé à monter un look. J'essaie d'aller chercher un look un petit peu plus distorsion numérique. Puis je mets de l'éclairage, je m'amuse avec la couleur. Puis j'essaie de monter un... Je fais une projection parfois sur un drap. Puis OK, maintenant, qu'est-ce que je projette? Ben là, le projecteur que j'ai pris, j'ai un ami qui était bien gentil, puis qui dit « ça traîne chez nous, prends mon projecteur, OK. » Fait que là, prendre n'importe quel projecteur, shoot ça sur des draps, puis là, faut que je projette quelque chose, ben avec l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup de sens dans Machine Born. Ben, je me dis « OK, ben prends l'intelligence artificielle, Midjourney, OK, génère le background, OK. » Fait que là, j'essaie de générer un background, je passe une couple d'heures à générer une batch de background. À travers tout ça, ben, c'est quoi le but? C'est vraiment d'essayer de partager un peu la vision de tout l'univers.
comment supporter un artiste aujourd'hui? Je pense pas que c'est nécessairement la responsabilité de l'audience de supporter l'artiste. Je pense que c'est plus à moi de travailler pour offrir quelque chose qui fait en sorte que l'audience a envie de me supporter, puis que moi, en retour, je peux proposer je veux pas dire du contenu, parce que dire du contenu, c'est j'haïs ça. C'est pas du contenu que je fais, c'est de l'art. Puis si je peux, si ça me permet de continuer de le faire, puis tout ce que j'ai envie de faire quand quelqu'un me paye pour peu importe la prestation ou un album ou que ce soit un t-shirt, ben ça me permet de continuer de faire ce que je fais. Puis ça vient renforcer que hey, c'est correct, je peux continuer, je peux le faire un autre jour. Puis je pense que c'est un échange ici. C'est un échange qui fait en sorte que ça me permet de le faire. Puis, mais s'il y a un échange, c'est bidirectionnel.